Jean-Pierre Josseau, donc nous sommes en direct des V2V au Mans. Oui. Je voulais savoir un peu votre réaction par rapport à la course. Bon, c'est très sympa et ça va vite, hein. Très vite. Et j'avoue qu'à l'heure actuelle, si je montais dans ces voitures-là, je serais sans aucun doute trop surpris pour pouvoir faire quelque chose de bien. Parce qu'il y a énormément de choses qui ont différé, évidemment, par rapport à ce que je pilotais à l'époque. Et notamment avec toutes les manœuvres volants et tout ça, alors que les choses devraient être plus faciles, sans aucun doute, puisqu'il n'y a plus les efforts physiques qu'il y avait à faire avec les voitures que nous avions. Mais là maintenant, ça semble assez simple. Seulement, tout va aller beaucoup plus vite, à tous les niveaux, dans les virages, le freinage. Et puis, on va pouvoir freiner avec ces engins qui sont absolument fantastiques, qui permettent de rentrer en courbe sur les freins très longtemps et la voiture ne part pas. Il y a une adaptation au pilotage qui est complètement différente de ce que je pouvais vivre à l'époque. Tout à fait. Donc, on rappelle que c'est vainqueur en 1978, en 1980, en 24 heures du Mans. Aujourd'hui, V2V fête leurs 20 ans. Les 24 heures ont fêté les 80 ans. Que pensez-vous pour cette nouvelle édition des 80 ans ? Je viendrai les voir. Déjà, ça commence par ça. Et puis, ça fait toujours plaisir parce que ça permet, en revenant sur place ici, c'est de se remettre dans l'ambiance, revoir les copains de l'époque, reparler un petit peu, tu sais, comme les vieux soldats qui refont la guerre et tout ça. Ça, c'est vraiment très sympa. Bon, et puis, s'apercevoir aussi de tout ce qui a pu changer sur le plan du circuit, sur le plan de l'accueil. Ces superbes, comment ils s'appellent là, les infrastructures. Ouais. Par rapport à ce qu'on avait avant, à l'époque, avec les stands qui étaient ouverts, c'est-à-dire qu'on passait devant, en bas, il n'y avait pas de protection, rien du tout. C'est un monde d'écart par rapport à ce que c'est devenu maintenant. Bon, c'est pas forcément plus sympa, hein, parce que c'est devenu très rigide. On ne laisse plus passer les gens, sauf dans des épreuves comme celle-là. Là, on y arrive. Mais au Mans, c'est plus possible, malheureusement. C'est le regret que je peux en avoir, parce que ça devrait pouvoir être mieux. Quand on regarde la Formule 1, c'est pareil, on ne peut plus approcher les pilotes. Donc c'est un peu dommage. L'évolution au niveau automobile, qu'en pensez-vous ? Tout va dans au mieux, tout est plus facile, tout est plus performant, tout est plus léger, on consomme de moins en moins, les voitures sont extraordinaires. Moi, je me régale de toute façon avec une automobile, et même si on doit partir vers l'électrique, ce qui semble une chose qui est petit à petit va venir, s'il n'y avait pas les pétroliers qui étaient tellement... occupé à vendre leur essence, il est bien certain que à ce moment-là, on pourrait avoir de l'électrique, ça, à mon avis, depuis longtemps. Chose très agréable, parce que j'en ai piloté une voiture électrique, il y a un couple phénoménal là-dedans. Et au niveau sonore, c'est beaucoup plus agréable, évidemment, mais ça n'avait pas de bruit. Sauf pour les gens qui sont amoureux du bruit et du passé. À ce moment-là, ces sonorités qui vont disparaître, évidemment. On ne peut pas faire les choses, tu sais, toujours tout bien. C'est pas possible. Avez-vous une anecdote sur les 24 heures en 1981 ou en 1952? En 80, c'est simplement le fait que trois quarts d'heure avant l'arrivée, j'étais en pneus slick, et puis pluie intense à harnage. Et là, la voiture est partie en dérive, carrément à 90 degrés par rapport à l'axe de la piste. Et j'ai fait 500 mètres comme ça sur le côté, et au dernier moment, tête à queue. J'ai fini le tête à queue parce que je ne voulais pas taper le rail. Pour repartir, c'était pas facile du tout parce qu'elle n'acceptait plus depuis le matin de redémarrer. Enfin, à la deuxième injonction, le démarreur a accepté de repartir. J'étais en pneus slick et j'ai terminé en pneus slick.
je passais ici, devant les stands, je devais être à 80 à l'heure, pas plus. Et encore, je glissais, tu vois, c'était épouvantable. Seulement, je savais que sur la ligne droite, après ça, c'était complètement sec. Alors quand vous avez une portion du circuit comme ça, qui est complètement sèche et complètement humide de l'autre côté, avec des pneus qui n'ont aucun dessin, c'est épouvantable ce que ça peut glisser. Voilà, on a gagné quand même, ça a été fabuleux. Merci beaucoup. Merci.